Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 8, il est 14h53, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud, il fait beau, ce week-end il a fait lourd, il a fait très chaud. Ça y est, les températures du coup commencent à monter en haut, donc moi j'ai sorti le ventilateur parce que je ne supporte pas la chaleur. J'espère que, en tout cas, vous avez bien profité de ce bon week-end qu'on a. Et puis aujourd'hui, du coup, il a plu un petit peu, mais le soleil est quand même bien. Je vous fais un petit vlog, comme ça vous l'aurez pour ce soir. Ce week-end, il ne s'est rien passé de spécial. Non, il ne s'est rien passé de spécial. J'ai juste été récupérée parce que je vous avais dit que j'avais un partenariat qui devait arriver. Et en fait, le livreur GLS, vendredi, m'a appelé le vendredi soir pour me dire qu'il n'avait pas le temps de me livrer le colis. Du coup, il me le déposait dans un point relais. Donc samedi, on a été chercher le colis du partenariat. Donc il faut que je fasse la vidéo, puisqu'il faut que je l'envoie hein, déjà pour validation, etc. Donc je pense que je ferai ça demain. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Donc restez connectés. Franchement, je suis trop, trop, trop contente. Ça me fait plaisir. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Donc merci du fond du cœur. Ensuite, du coup, on en a profité pour se balader un petit peu. Donc la montée des eaux, ça va. Ça redescend petit à petit. Donc on a rien à craindre. Et puis samedi, on a aussi, du coup, on en a profité pour sortir, emmener en balade un galipette pour qu'elle reprenne un petit peu, pour qu'elle fasse une petite balade. Parce que du coup, elle n'était pas sortie depuis un petit moment avec tout ce qui lui était arrivé. Donc ça nous a permis aussi de prendre l'air parce que c'est vrai qu'on prend pas trop trop l'air. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien. La petite était toute contente. Ça me faisait rire parce que moi je restais en arrière. On était sur un chemin et en fait elle suivait du coup mon chéri parce que c'est son papa et tout. Et c'était trop mignon. Parce que du coup on ne peut pas la promener en laisse parce qu'elle ne supporte pas du tout la laisse. Et c'est pas à 13 ans qu'on va réussir maintenant du coup à l'habituer à la laisse. Donc on va dans des endroits voilà, où il n'y a pas de chien, où il n'y a personne. Et puis c'est très rare. Sinon, de toute façon, la majorité du temps, on la porte pour l'emmener faire ses besoins. Sinon, de toute façon, elle ne sort pas. Là, on va commencer quand il va. Bah, s'il commence, si le temps se stabilise, on va commencer petit à petit à l'habituer aussi à la terrasse. Parce qu'on a quand même la terrasse et on a un bout de gazon synthétique où il y a des vraies herbes qui ont poussé dessus, du coup. Donc comme ça lui permettra aussi de, voilà, de pouvoir prendre un petit peu l'air avec nous. Et puis je pense que quand il fera vraiment très, très beau, on lui installera du coup un genre de petit dodo. Comme ça, voilà, elle pourra rester dehors et se mettre, prendre l'air tranquillement. Donc voilà, donc la petite malade, elle était toute contente. Elle était bien rincée, ça l'a bien fatiguée. Mais elle était toute contente, toute joyeuse d'être sortie en balade. Hier, on a voulu, mais il a plu. Et puis là, il fait un peu lourd, donc peut-être en fin de journée, je ne sais pas du tout. Donc voilà un petit peu du coup pour samedi. Hier, je n'ai absolument rien fait. Franchement, j'ai dormi toute la journée, j'avais envie de rien. Je ne suis pas très motivée en ce moment, je ne suis pas très motivée à me maquiller. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est quand? Parce que du coup, je vous ai montré le retour de course. Je crois que c'était jeudi. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait le retour de course ou vendredi qu'on est passé. Je vous ai dit qu'on avait plein de choses à faire et je vous ai pas montré aussi la action. Donc, on a acheté les feutres. Mon chéri en est très déçu. Alors, je ne sais pas si on est tombé sur une mauvaise série ou quoi. Mais en tout cas, il n'en est pas très content. Donc, dites-moi en commentaire si vous les avez achetés les feutres et qu'est-ce que vous en pensez. Et moi, du coup, j'ai craqué. Voilà, le budget est limité, hein, forcément, avec toutes les dépenses qu'on a eues. Donc là, ce mois-ci, il n'y a pas d'extra, il n'y aura pas de haul action. C'est un petit peu compliqué. Mais du coup, j'ai quand même craqué pour voilà, la lampe. Apparemment, elles sont aussi Oziman, mais elles ont l'air d'être un peu plus chères. Donc forcément, je l'ai pris marbré rose, comme ça. Elle est juste magnifique. En plus, elle est à pile. Et voilà, et franchement, elle est trop, trop belle. Donc du coup, je fais attention parce que c'est du verre. Donc je la mets juste derrière moi. Donc voilà, comme ça je vous l'ai montré. J'ai reçu aussi un petit échantillon. J'ai reçu quand? J'ai reçu vendredi. C'est la marque Elisabeth Arden. Et en fait, ils vous envoient deux petites capsules comme ça. Et en fait, c'est des capsules céramide capsule sérum. Régénération accélérée, réduit les rides visiblement en une semaine.
Bon, c'est pas avec deux capsules que je vais voir un super effet, mais voilà, c'est une bonne marque et au prix que ça coûte, je suis quand même contente de pouvoir du coup pouvoir tester. Là, on vient de revenir de la poste hein, parce qu'on avait un colis à envoyer. En même temps, j'avais un colis à récupérer et je suis touchée. Voilà, comme je vous le dis, j'ai une communauté en or. Vous êtes d'une bienveillance énorme. Et du coup, mon abonné m'avait prévenu qu'elle m'a envoyé un petit colis par rapport du coup à Galipette. Donc ça vient de Zoo Plus, elle l'a fait directement livrer. Voilà. C'est pas la première fois qu'elle nous fait des petites surprises comme ça et je te remercie beaucoup. Mais là, c'est vrai que ça nous touchait énormément parce que c'est vrai qu'on a eu, je ne vais pas vous le mentir, hein, vous savez que je suis, j'ai pas de tabou, on a eu énormément de frais ce mois-ci, forcément. On essaye de, voilà, d'avoir l'alimentation aussi pour les animaux plus correcte. Donc tout ça, forcément, ça impacte le budget. Donc voilà, après je ne me plains pas, je vous explique juste la situation. Et je lui ai envoyé un message pour la remercier parce qu'elle nous a du coup pris deux paquets de croquettes comme ça de la marque du vétérinaire que Galipette hein, va devoir manger du coup jusqu'au reste de sa vie. Et elle nous en a pris deux, voilà. Donc c'est un geste hein, juste énorme, c'est voilà, c'est touchant. Ça nous aide aussi énormément, on va pas se le cacher, hein, parce que ça coûte quand même assez cher. Et franchement, merci. Merci à toi du fond du cœur. Je t'ai envoyé un petit message. Mais je tenais encore une fois à te remercier parce que voilà, ça nous touche pour Galipette. Ça nous touche aussi dans le sens où ça nous aide hein, financièrement, hein, très clairement, parce que voilà, c'est un budget tout ça. Mais voilà, c'est adorable pour la petite Galipette. Hein. Et franchement, merci, merci encore une fois du fond du cœur parce que, le geste est touchant et voilà, et Nénette, du coup, va avoir de quoi faire. Donc franchement, merci à toi. Je t'embrasse très fort hein, et franchement, on est touchés. Et mon chéri aussi a été très touché. Et Galipette aussi, même si elle s'en rend pas compte. Mais voilà, au moins on a du stock pour son alimentation. Et voilà, comme je le disais, ça a un peu serré forcément avec toutes les dépenses. Donc franchement, merci du fond du cœur à toi. Je m'attendais pas du tout à ça. Et merci. Voilà, comme quoi elle a de quoi faire. En même temps, on préfère, voilà, on a des animaux. C'est comme nos enfants. Donc forcément, on préfère les privilégier. Et nous, nous priver pour que eux aient les soins et ce qu'il faut, voilà, c'est comme ça. C'est notre façon de réfléchir et voilà. Et en tout cas, merci du fond du cœur à toi. On est passé à la fibre depuis ce matin. Il y a le monsieur de la fibre, du coup, parce qu'on est chez Orange, hein, et du coup, ils ont mis tout le... toute la commune, je pense, en fibre. Hein. Donc, du coup, le technicien est passé ce matin. Donc, on a la fibre. D'ailleurs, j'étais en train d'allumer mon PC, mais je ne suis pas connectée parce que comme il a changé, on a une nouvelle box. Du coup, il faut que je reconnecte mon PC avec les codes Wi-Fi. Et puis, il faut qu'on redonne l'ancienne box, du coup, directement en magasin. Donc on verra parce que comme je vous dis, on essaye de. Voilà. Une des astuces aussi pour faire des économies, hein, c'est de regrouper hein, les sorties quand on a un rendez-vous. Moi j'ai rendez-vous chez le médecin dans pas longtemps. Donc à ce moment-là, du coup, on fera ça. Et puis voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je ne crois pas que j'ai grand chose d'autre à vous dire. Il ne s'est rien passé de spécial. Demain, il faut à tout prix que je fasse ma vidéo. Pour l'envoyer en preview parce qu'elle va sortir bientôt. Et normalement, j'ai un autre partenariat aussi qui doit arriver. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, il faut que je voie un petit peu les vidéos de la semaine. Mais c'est vrai, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop envie de me maquiller. En plus, là, les chaleurs reprennent. Donc voilà, j'ai vraiment pas trop envie de me maquiller. Je sais pas, j'ai envie de laisser ma peau aussi un peu respirer. Mais vous inquiétez pas, je vous referai des vidéos make-up. Et il faut aussi que je voie quand est-ce que je vais reprendre les lives. Parce que je sais que vous attendez ça à certaines avec impatience. Et je suis en train de réfléchir. Je pense que de toute façon, ça sera les dimanches. Plutôt peut-être à 18h qu'à 17h. Mais à partir de quel dimanche, il faut que, voilà, il faut que je voie, il faut que je m'organise.
Donc de toute façon, je vous en reparlerai ultérieurement et je vous en parlerai aussi en story. Mon tri make-up n'est pas encore fait parce que, comme je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une page Instagram, hein, je vous en parle parce que j'avais mis l'info sur Instagram, mais je ne l'ai pas dit ici, sur mon Instagram, donc les ventes de Mylène, hein, je vous le remettrai juste en dessous. Pour l'instant, il n'y a plus rien. J'ai supprimé du coup toutes les photos qu'il y avait, vu que c'est plus du tout d'actualité, ça faisait un moment que j'avais un peu laissé tomber cet Instagram là et du coup il va y avoir un tri make-up dans pas longtemps, donc voilà, je remettrai des photos quand je ferai mon tri make-up, mais vous inquiétez pas, il y a des vidéos de prévues et ça va se faire, mais là il faut que je me demain il faut en priorité que je fasse la vidéo pour l'envoyer en preview pour validation et pouvoir vous sortir la vidéo c'est pas cette semaine, ça va être la semaine d'après normalement. Voilà, donc franchement j'ai trop hâte que vous voyez la vidéo, j'ai trop hâte de faire la vidéo, voilà, je suis trop contente, vraiment. Donc voilà un petit peu, je vais vous laisser du coup, je voulais vous donner un petit peu de news et remercier encore une fois mon abonné, merci du fond du cœur, vraiment tu nous as gâtés. Et puis vous dire que je pense fort à vous, je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé ce petit vlog blabla et puis sachez que tout le monde va bien, le chéri est très fatigué quand même, c'est un peu compliqué, mais de toute façon le TEP scan c'est bientôt, ça arrive très vite, hein, et le rendez-vous avec l'hématologue c'est fin du mois, donc pour l'instant voilà, on n'en sait pas plus. Donc voilà un petit peu pour les news. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite.